Donc moi j'ai beaucoup aimé dans mes dernières lectures Mauvaise graine de Benoît Mainville paru aux éditions Sarbacane. C'est un roman pour les ados à partir de 13-14 et au-delà après même à 77 ans vous pourrez le lire, c'est très très bien. En fait on suit Vasco, c'est un jeune adulte, la trentaine qui un peu entre guillemets raté sa vie, il n'a pas fait d'études, là il vivote, il est retourné au Portugal, le pays de ses parents. Mais il arrive à rien et il tombe par hasard sur son amour d'enfance. Et pour l'impressionner un peu, elle est prof de français dans une banlieue parisienne. Et en même temps, à côté, elle entraîne une équipe de futsal. Alors futsal, c'est du foot à 5 en salle, en équipe mixte, donc il faut des garçons et des filles. Et donc elle entraîne une équipe d'ados et cette équipe est un peu en déshérence, enfin, a beaucoup de problèmes, n'a plus d'entraîneur, tout le monde est un peu démotivé. Et ce Vasco qu'on suit, pour l'impressionner, il va dire « Allez, moi, bingo, je suis ton homme, je suis ton entraîneur, je vais te remonter ton équipe. Voilà. » Et on le suit dans ce défi. Et c'est très drôle, c'est vivant, il y a plein de... On s'attache vraiment aussi bien aux ados qu'à nos deux trentenaires. Bref, c'est vraiment un livre à lire pour les ados, mais aussi pour les adultes.